Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là on est sur la vidéo numéro 3 de House Flipper 2. Et donc on va devoir faire une nouvelle quête disponible, donc là, ici. Alors on a le petit logo directement de la personne. Bienvenue, pendant des années, de misérable solitude, je n'ai guère prêté attention à l'état de mes appartements. C'est désormais de l'histoire ancienne, puisqu'une âme valeureuse m'a récemment rejoint dans mes aventures. Ok, d'accord. Pour la faire courte, la vieille tâche et la de quoi et des monticules d'ordures, pardon, attendent qu'une âme intrépide les élimine. Je vous en prie, accourez à toute hâte et aidez-nous à transformer les oubliettes sous notre logis en un lieu digne d'être foulé par de nouvelles campagnes. Oh, ça, c'est bizarre, on parle plus comme ça en fait. Vous seriez généreusement récompensé pour vos efforts dès que nous rentrerons de la convention à laquelle participe notre troupe à l'heure où j'écris cette missive. Que la chance soit avec vous, Robert Patton. Ok, d'accord. Allez, on y va. Donc, on regarde sur la photo. On a la petite maison. Ok, l'intérieur, ouais. Ok. Et après, on a là. Alors ça, je dirais plus que c'est en bas, c'est dans une cave, je pense. Si je me trompe pas, on dirait que c'est une cave. Là, bon, ben, cuisine-salon. Et là, ouais, ok, on a du boulot. Allez, c'est parti. Donc, on va lancer la mission. Et franchement, je vous mens pas, le jeu a des chargements assez rapides. J'ai juste vu que le premier, voilà, le temps qui charge tout. Mais sinon, entre une quête, vous voyez, on est vraiment... Je suis en train d'enregistrer, mon PC tourne. Et franchement, ça charge très, très, très rapidement. Graphiquement, il est très beau. Ouais, je m'attendais pas aussi bien, on va dire. Franchement, je ne sais pas. Alors, on a la poubelle ici. On va rentrer dans la maison. C'est parti. Et on va regarder. Donc... On va appuyer sur Tab. Pour le moment, il n'y a rien ici. Donc, tout est bien. On peut fermer la porte. Alors, on peut allumer les lumières, vous voyez. Tout est fonctionnel. Ça aussi, c'est pas mal. Alors, première pièce. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi? Un téléphone. Ok, d'accord. On a la première pièce. Alors, moi, je fais toujours un petit inventaire. Je regarde un peu partout. Donc, ici, on va faire porte par porte. Voilà. Donc, là, on a le garage. Donc, le garage, nickel. Pas trop de problème. Vérification, il me demande de rien faire. Propre, on va dire, un petit outil, bien rangé, tout est bien. Allez, peut-être la lampe qui est pas très très droite, à mon coup, on va dire. Mais je sais pas si on pourrait la remettre droite. Non, ah, si, je pense que j'aurais pu la mettre ici. Alors, attendez, hop, parce que de temps en temps, il faut prendre un autre angle. Voilà. Voici, voilà, peut-être juste ça. Ah, histoire de mettre la patte. Alors, c'est bon, donc là, on est bon. Ici, on va se mettre dans le couloir. Il n'y a rien pour le moment. Ici, dans la petite salle de bain, il n'y a rien pour le moment. Donc, tout est OK. Tout est rangé plus ou moins propre. Bon, après, on a des journaux. Je ne sais pas si ça partira à la poubelle. Non, pas du tout. OK, okay, d'accord. Ici, quand on peut descendre, vous allez voir, voilà, comme je vous avais dit, c'était bien une cave. C'est là le plus gros chantier, je pense. On va commencer par le plus petit chantier, on finira par le plus gros chantier. Ici, je vais juste vérifier la salle de bain. Bon, on a vu, il n'y a vraiment rien. Tout se passe bien. Donc, on est go. Je vais refermer la porte derrière, comme ça, je le sais. Donc là, ça commence ici. Ça, pareil, je referme la porte. On est bon. Alors, on commence ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a à faire? On a des déchets et on a des tâches. Alors, on va prendre les déchets en premier. Alors ça, par contre, à chaque fois... C'est un peu chiant parce que quand on appuie, qu'on veut ramasser. Alors, hop. Hop, voilà. Il faut bien cliquer sur le truc, sinon ça prend pas. Voilà, hop, hop, hop. La poubelle, elle est à l'extérieur, donc c'est bon. Alors, on va vérifier là. Tout est sale. Là, non. Là, oui. Là. Alors, oh, c'est un jeu de société, ça, non? Ouais. Les boîtes à pizza, ici, ici, l'éponge, non. Là, là. Et... Une petite vérification à chaque fois. La plante, on peut la remettre droite.
Normalement, on devrait être bon. On n'est pas loin. Il manque deux tâches. On va déjà reprendre ça. On va aller le mettre dans la poubelle de devant, ici. Donc, on va poser. On va ouvrir la poubelle. Hop. On va le prendre. On va le mettre dedans. Voilà. Donc, ça, c'est déjà. On va nettoyer vite fait. Voilà. Alors, hop, on reprend la main. Hop, la fleur, on va la remettre à sa place. Toi, bah, tu vas revenir, je sais pas, moi, on va dire en attendant, je le mets là. Alors, tout ce qui est placement, je vais le faire vraiment après. On va d'abord, par exemple, faire le nettoyage. Ça sert à rien de placer, c'est pas nettoyant. Donc, on va nettoyer avant. Et après, on replace. Et par exemple, vous voyez, on a, j'ai trouvé où il y a un cassé. Par exemple. On va faire A. Tout est bon. Ouais, au niveau des tâches, on est bon. Donc là, il faut juste que je reprenne. Ici, il y a une poubelle. Et je dois avoir encore un déchet quelque part qui est là, non? Non. Ah non, c'est bon. J'ai eu les deux. Donc on est. Allez, on est bon. Alors, on ramasse ici l'éponge qu'on va mettre proprement. Ça, je sais pas trop où ça va se mettre, ça. Voilà. J'ai bien envie de faire ça. Toi, on peut te mettre là. Voilà. Toi, la petite casserole, on peut te mettre ici, bah là. Hop, voilà, bien sûr. Ça, on va le mettre droit. Ça, on peut laisser comme ça. Donc là, c'est bon. Sur cette pièce-là, on est OK. Tout a été fait. Tout est remis à propre. Elle est stylée, là, la pièce-là. Alors là, ben on a une chambre, donc pareil, qui est en bon état et qui n'a pas trop de problèmes, donc c'est bon. Allez, on y va, on va aller dans le plus gros, le vif du sujet, comme on dit. Nettoyage. Voilà. Et là, c'est le bordel. Là, il y a vraiment du gros nettoyage. Il y a plein de trucs à déballer. Ok, d'accord. Il y a plein de sacs poubelles. Un truc de fou. Il y a une porte à ouvrir, mais j'arrive pas à passer. Alors, est-ce que je peux ramasser tout ça? Ouais. Ok. Alors, juste pour faire un test, est-ce qu'on peut ouvrir la poubelle? Ouais. Mais si je jette dedans, est-ce que j'ai une pénalité? Je pense pas qu'il va la prendre. Si? Oh, si. Nickel. Bien vu. Alors, ah, ça me tombe dans le jardin. Bon, j'ai rien à faire dans le jardin, mais ça me tombe dans le jardin. Ok, d'accord. Alors, on est bon. Alors, ici, on va vérifier. Alors là, il y a pas mal de choses à vendre. Tous ces objets-là sont à vendre. On a 63 déchets, 32 tâches et 5 cartons à déballer. Alors, ok. On a pas mal d'objets à vendre, déjà. On a pas mal d'objets à jeter. On va plutôt tout nettoyer, je pense, ouais, peut-être plus simple. Alors, j'aimerais bien pouvoir passer, mon copain. Tu es où, hein? Alors, ferme-toi, là, moi, c'est bon, non? Voilà. Est-ce que c'est possible que je passe, ou pas? Allez, avance. Ah, voilà. Ça, ouais. Ok. Il y en a plein encore. Plein de canettes partout. Une petite. Voilà. On va vérifier ici. Il y aura pas mal de choses à vendre, vous allez voir. Là, pour le moment, on est bon. Ici, oh, on peut nettoyer direct. Cette petite pièce, elle est faite. Donc on peut la fermer. Ici, on peut commencer à nettoyer aussi. Tu peux, histoire de voir un peu plus clair. Hein. Et est-ce que je dois vendre le billard? J'ai pas l'impression. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vendre? Le billard, je le vends pas. Là, il va falloir le nettoyer. Voilà, toute la... ça, c'est tout ce que je dois vendre.
Ok. Oh. Là, là, là. Il y a beaucoup, hein. Tous les vieux meubles. Une vieille machine à laver aussi, je pense, ouais. Migo, là. Le panneau, je sais que j'avais vu aussi. Bah, je pense qu'il y a ça. Là, j'ai la petite scie circulaire. Enfin, scie sauteuse, pardon. Ah, si je me trompe, en fait. Alors. On est à peu près bon, on va dire. Il me manque juste le ballon. Déchet 63, tâche 3. Il manque un ballon à vendre. Après les boules, il faudra que je les mette sur le billard. Mais, ah bah il y a là le ballon. Voilà. Alors, on y va. Donc on va essayer de nettoyer un peu le billard. Alors, on peut terminer maintenant. Mais bon, bien sûr que non. On va continuer. Hein. On va le mettre comme ça. Alors, je sais pas si on va devoir positionner les boules comme ça. Est-ce qu'on pourra les mettre une par une dedans? Je pense pas. Je pense que non, le but c'est de vraiment les récupérer, les reposer par exemple sur le billard, mais on pourra pas les ranger dans le triangle, je pense. Voilà. Alors, nettoyage. On aura pas mal de tâches à nettoyer, bien sûr. Regardez, on a des grandes tâches là. On aura des tâches un peu au sol, sur le canapé. Ok, alors on va passer par là. Je regarde. Ah, on... ok. Alors, on va regarder ici, vous voyez, on a des traces. Ça, il faut vraiment les enlever. Hein. Voilà. Donc là, pareil, on a une trace ici. Arrêtez, vous les voyez pendant un certain temps, mais dès que vous appuyez pour nettoyer, regardez, si je fais ça, hop, vous voyez que les traces, elles restent pendant un certain temps. Par contre, si j'appuie sur la trace et que j'appuie direct, ça s'efface. C'est plus pour analyser ce qui est sur les murs et tout. Et après, vous nettoyez. Voilà, regardez, hop, on va faire ça au sol. Et ça, c'est le grand tapis. Alors, au niveau des tâches, il me reste 4 tâches. Si j'appuie, normalement, il me reste 4 tâches. J'en ai une là. Là, regardez, hop. Vous voyez, sur le côté, il est marqué. En dessous de quête, il est marqué 3 tâches. Donc on va regarder en haut, hein. Deux tâches. Et après, il restera. Bon, on va faire quoi en attendant? Non, je vais pas vendre ça. Hop, voilà. On va peut-être pas faire comme ça parce que là, j'ai pas mis correctement, bien sûr. Voilà. Voilà, hop. Ah, est-ce qu'on peut tourner? Voilà. Ah, il veut même pas. Ah, voilà, c'est bien. J'allais dire, il rigole de moi, lui. Alors, nettoyage. Il faut vraiment que j'arrive à trouver les tâches. Est-ce que ce serait pas ici? Non. Dans le toilette, il n'y en a plus. Non, si. Pas derrière. Ah, c'est fini, non? Il n'y a plus. Ah, bah non, il n'y a plus. Il n'y a plus de déchets, il n'y a plus rien. Donc normalement, on est bon. Il faut qu'on déballe. Vérifier. Ah non, c'est bon. Faut juste qu'on déballe maintenant. Déballer les 5 cartons. Ok, d'accord.
C'est parti pour le déballage. Alors, on va tout poser comme ça. Ah, ok, d'accord. Poster. Je vais poser comme ça, vite fait, pour voir. On a un autre poster. Ah, on peut le remettre dans la boîte, par contre, vous voyez. On va les poser au sol, juste pour être sûr et certain de ce que je peux faire. Voilà. Donc là, on peut poser les posters. Est-ce que si je prends celui-là, hop, j'arrive à le mettre ici. Voilà. Celui-là, je vais essayer de le mettre là, si j'y arrive. Ouais. Et celui-là, il va aller là-bas. Là. On est à peu près sur la même hauteur. Non, il est un petit peu trop. Voilà, c'est mieux. Donc là, au niveau d'ici, ben, comme je vous dis, on peut pas les mettre à l'intérieur. Donc, pas les mettre dans le trou. Non. Ok. Allez, on est reparti pour déballer. Donc ici, hop, on a livre. Hop. Ah non, c'est des jeux de société, c'est ça? Ah non, c'est des jeux. C'est même pas des livres. J'ai cru que c'était un livre. Ok. Donc ça, c'est ce qui va sûrement aller sur l'étagère. Ah, mais j'ai une boule. Allez, hop. Vous voyez, par exemple, là, on a les trucs pour les livres. On va sûrement avoir des livres. On va regarder, hop. Voilà ce que j'avais dit. C'est pas des livres, c'est des jeux, je crois. C'est des jeux. C'est des jeux de PS4, non? Je pense que c'est des jeux de PS4. Ouais. Ok. On regardera sur l'étagère. Là, on a des livres, voilà, j'avais bien raison. Et le gros, on a une télé. Oh, ça c'est bon. Une enceinte, une autre. C'est quoi ça? Ok, une console. Ouais, c'est une console. Bon, la console n'est pas une PlayStation. Et franchement, c'est bien. On peut vraiment tout positionner partout. Ça, c'est stylé. Donc, on va mettre... bon, je... Attends, on va bouger ça, parce que ça va me déranger en attendant. On va prendre les livres. Je vais les mettre là. Comme ça. Hop. Voilà. Un petit peu juste vers l'arrière. Et là. Ici. Voilà. Et puis les jeux. Alors les jeux, comme je vous ai dit. On a un petit Final Fantasy. C'est une quoi? C'est une F5-7, c'est ça? Alors, si je me mets en face comme ça, voilà, on pourra le voir un peu plus près. Non, c'est FS7. Ok, d'accord. Donc là, on est un peu l'équivalent d'un Final Fantasy. Ok, Kraken. Ok. Non. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Flog trafic. Ok, d'accord. Et là. Truc simulator. Ok. Donc lui, je le remets là. Voilà. Lui, je le laisse là. Hop. Le fauteuil, je trouve qu'il est très bien là. Alors ouais, on a les jeux de société qu'on peut remettre sur l'étagère aussi, bien sûr. Alors, je vais regarder si ça passe. Ouais, toi tu passes. Et on va le mettre tout en bas. C'est go. Une petite radio qu'on peut mettre ici. Si elle passe, non? Elle passe pas. Elle passe pas là-dedans. Écoute. J'ai envie de la mettre là. Petit robot. Ça, on peut le mettre sur l'étagère, bien sûr.
Et une petite console portable. On va la mettre là. Voilà. Parce que si je la mets là-bas, non, je préfère la laisser ici. Donc là, on est bon. On a toutes les étoiles. Et on a réussi à le faire. Donc on a réussi à remettre la pièce. Alors, vous pouvez remettre la pièce dans le sens que vous voulez. Si maintenant vous voulez inverser le billard là, vous voulez mettre la table là et le canapé là, vous pouvez le faire. Si vous voulez enlever l'étagère, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, nous, on est plus dans la rénovation. Mais bien sûr, vous pouvez tout changer, tout prendre. Par contre, je ne sais pas si dans la maison, on peut le faire. Là, si on peut tout changer aussi. Donc même les pièces qui ne sont pas abîmées, par exemple, on va dire celle-là, voilà. Je veux prendre la poubelle et je veux la mettre là. Je peux le faire. On peut vraiment, vraiment personnaliser la maison comme on veut. Même dans des objets que, voilà, le pot de fleurs, je veux pas de cette fleur-là, pardon. Ici, dans le garage, vous voyez, on avait bougé tout à l'heure. Ici, pareil, je veux bouger la machine à laver. Je peux la bouger, je peux la mettre ici. Enfin, je vais la mettre là, voilà. Si j'ai envie de casser la tête au client, je peux le faire aussi. Donc là, on est bon. On a tout vérifié. Ici, c'est bon. On a même un jeu de société là tout à l'heure, j'avais dit. Ici, il n'y avait rien d'autre à vendre. Non. De toute façon, si on a les trois étoiles, c'est qu'on a tout fait. Ah, ici, vous regardez, on avait la télé et tout. Ça, c'est bon. Donc là, on est bon. Je vérifie un petit peu. Ouais, tout est bien. Ici, au niveau de la cuisine, on avait fait quand même quelque chose de propre. Alors, juste qu'on peut pas trop bouger l'assiette là. On peut pas la mettre là-dedans? Non. On peut les mettre là, mais bon, je vais pas les mettre là. On va laisser dedans. Peut-être. On peut les superposer ou pas? Ouais, là, je peux la superposer. Voilà. On va prendre ça. Hop, on va mettre proprement ici. Toi. Je vais faire pareil, mais bon, je pense que. On peut. Ah, on peut les ranger aussi si on veut. Ah, sur le truc, on peut rien poser en réalité. Bon, on va laisser propre là. Hop, hop, voilà. Bon, bah, pour que ça fasse moins bête, on va quand même laisser la tasse là. Voilà. Celle-ci ici. Et celle-là. Le petit journal ici, proprement. Voilà. Au moins, on est bon. Ok, il y a des verres. Là, les armoires sont vides. Est-ce que il y a un frigo? Ah, on peut ouvrir le frigo aussi. Ouvrir le micro-ondes. Ah, vraiment, tout est fonctionnel. Hein. On a même le pain. Si on veut, on peut faire une baguette. Enfin, un morceau de pain. Alors, c'est bon. On peut vraiment tout sélectionner. On peut vraiment tout changer. Aller faire un petit tour à l'extérieur. J'ai vu qu'on peut aller là-bas. Alors, on peut ouvrir la porte du garage. Franchement, ils ont bien poussé le truc quand même. Regardez, ici. On a la petite chaise. Alors, on peut la poser, la tourner, terminer la mission. Ok. Le petit barbecue. Peut-être qu'on peut changer de place pour voir s'il s'ouvre mieux. Ah, voilà. Il était mal positionné le barbecue. La chaise, par contre, on peut que la ramasser, on peut pas l'ouvrir, ok. Ça, par contre, une batte de baseball, là, j'en ai un. Ah bah si, normal, il y a la balle. Là, c'est bon. Et ici, c'est bien ici. Aussi, la poubelle, on peut la fermer. Donc, avant de quitter la maison, bah, bien sûr, on va vérifier que toutes les portes sont fermées. Hein. Ici, on est bon. Normalement, je croyais à la porte de la chambre qui est là. Voilà. Donc là, tout est bon, tout est opérationnel. Là, c'est bon. Ici, bah, il n'y avait rien à faire. Hein. Donc là, on est bon. Il n'y a pas de porte. Et donc ici, pareil, on va fermer la porte. Donc on va se mettre là. Voilà. Voilà. Et donc, ici, on peut faire
Shift entrée. Voilà. Et vous allez. J'ai été payé 2989 pour ce petit travail. Donc on valide. Voilà. 2989 avec 3 étoiles. On accepte. Et on va retourner dans notre maison. Ça fait bizarre, il y a des moments, on est dans des belles maisons, et moi, la mienne, elle est moche. Le problème, c'est que je peux rien faire. Le papier peint, je peux nettoyer, si je veux, voilà, je peux nettoyer les murs. Mais, je peux pas changer de papier peint, je peux rien faire. On va la restaurer, la maison. Pour le moment, on peut pas. Vous voyez que dans l'arbre, on a quand même l'aspirateur, le marteau pour les murs, la construction, l'électricité, sûrement le mappage et la peinture. Donc, mappage, c'est pour mapper les murs, genre quand ils seront comme ça, pour les peindre directement. Alors, ici, bah, comme je vous ai dit, la prochaine mission, on va faire celle-là. Donc, celle-ci, apparemment, son colocataire, il vient de déménager, son frère va prendre sa place, mais quand vous voyez l'état de la chambre, voilà, toute la chambre est abîmée, tout elle est sale, et en plus... La salle de bain, pareil. Et le garage est un peu dans le même état. Donc, on va devoir tout refaire. Et après, ok, je vends ma maison. On m'a dit qu'il fallait la nettoyer. Bon. Ok, même le sous-sol, les gens ont oublié. Ok. Ok, quelques affaires. Alors, si vous trouvez des cartons, laissez-les là. Je reviendrai les récupérer plus tard. Ok, d'accord. Non, j'avais marqué commencer la mission. Ici, donc voilà, c'est un petit café. On va faire ici, hop, ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Il y a peut-être des chances qu'on va pas tarder à commencer le mappage. Alors, à savoir que, vous voyez qu'on a plusieurs. Pour l'instant, j'ai que ce quartier-là. Mais après, on aura d'autres quartiers, on aura d'autres trucs. Ici aussi, on a les archives. Vous voyez? Donc là, on a la première... ok... Ok, d'accord, là. Ok, d'accord. Et là, c'est quoi? Tu t'amuses bien, petit voyage. C'est écrit. Ah, c'est sa maman qui l'appelle. Ok, d'accord. C'est un peu bizarre comme logo pour la maman, mais bon. Donc là, la boîte mail, on est bon. Si on clique ici, on n'a plus d'archives. Si on veut, on peut les archiver. On clique dessus, hop, on va faire ça, hop, on va faire ça, hop. Donc là, c'est la boîte de réception, j'ai pas de message. Et dans les archives, on a les messages. Au niveau des améliorations, pour l'instant, on n'a aucune amélioration à part nettoyage et déchets. Donc là, on a nettoyé plus rapide. Et mon sac contient plus de déchets. Là, qui est marqué quoi? Vous êtes l'agent d'entretien le plus rapide, ok? Vous pouviez désormais utiliser du spray nettoyant. Expert en vaporisateur. Ok, d'accord. Et là, haute pression. Ok, ça va beaucoup plus vite. Après là, bah pareil, le sac poubelle peut contenir une quantité impressionnante de déchets. Ramasser les déchets sur les plus grandes surfaces. Même si vous retirez des objets... Avec le sac poubelle, vous gagnez 100% de sa valeur. Ah, c'est pas mal, ça. Et après, bah, pareil, alors on peut faire un mur à la fois. Encore plus. Rouleau peinture s'agrandit. Et là, on peut faire carrément une surface. En direct, on peut peindre dans ce style-là. Là, c'est tout ce qui est surface mur. Ok. Tout ce qui est mur à casser, tout ce qui est construction de mur, vente. Donc là, c'est les estimations. Là, je crois que je me déplace plus facilement, plus vite. Et avec l'œil, on voit plus au loin. Lumière, ok. Et ici, agent immobilier. Ouais, alors là, c'est par la suite, comme on va acheter des maisons, on va devoir les restaurer et les réhabiliter. Donc voilà, on va faire une bonne série là-dessus. Je vais vous faire pas mal de vidéos. À savoir que ce sera des vidéos aléatoires. Là, pour l'instant, c'est des vidéos de 15-20 minutes, on va dire, puisqu'on est sur des petits chantiers. Mais après, par la suite, on sera des plus grands chantiers. Donc, il y aura peut-être des chantiers où il y aura peut-être une, deux vidéos. Ça, je sais pas encore.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, des petits pouces bleus. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.